Jean-Pierre Pecaud, historien de formation, Fred Duval, scénariste spécialisé dans la science-fiction, et Fred Blanchard collaborent à l'écriture de la série Le Jour J. 17 volumes sont déjà sortis et reposent à chaque fois sur une nouvelle uchronie. Elle a pour ambition de développer des scénarii réellement plausibles en racontant des histoires assez réalistes et en s'intéressant principalement aux personnages qui évoluent dans ces mondes. Cette série s'articule autour d'événements clés de l'histoire connus des lecteurs. Et si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale? Et si les Russes avaient réussi à marcher sur la Lune avant les Américains? Et si Ponce Pilate avait gracié Jésus? L'album Vive l'Empereur, qui nous intéresse, a été dessiné par Stéphane Jess. Il s'inscrit complètement dans le genre du steampunk qui dépeint un 19e siècle technologiquement très développé, car la révolution industrielle a eu lieu plus tôt. Nous apercevons ici l'île de la Cité au cœur d'un Paris architecturalement réinventé où l'électricité est omniprésente. On devine au loin la silhouette de Notre-Dame de Paris. Le ciel est complètement saturé de dirigeables, qui est le moyen de transport emblématique de l'esthétique steampunk. Les berges de la Seine sont bordées de plaques de fer, de poutrelles métalliques qui rappellent celles de la Tour Eiffel. Il s'agit d'un monde où l'acier domine. L'intrigue se passe en 1925, au moment du sacre de Napoléon V à Paris. Dans une autre case similaire, les phares métalliques surmontés d'une surface cylindrique ressemblent à des paraboles. Ce sont des canons à électricité, symbole de la maîtrise technologique et du pouvoir occidental. Vive l'Empereur se déroule dans un monde dominé par les Français et les Anglais. Au XIXe siècle, une entente cordiale entre l'Angleterre et la France leur a permis de régner sans partage sur le monde. La Chine complote contre eux pour mettre fin à cette suprématie. Le mode de narration de cette uchronie s'étale sur 124 ans, à la différence d'une uchronie plus classique où le lecteur assiste à un événement précis qui va faire basculer l'histoire avec un grand H. Ces deux planches sont ainsi censées expliquer au lecteur plusieurs évolutions, à la fois politiques, avec les accords entre la France et l'Angleterre résumés dans les bulles, mais aussi technique, avec la multiplication des dirigeables et des constructions en fer. Le scénariste privilégie un mode de narration plus didactique par l'intermédiaire d'une voix off pour recontextualiser toutes ces évolutions. Même si ce procédé narratif rend la bande dessinée peu dynamique, les auteurs en sont conscients et s'amusent de l'aspect un peu rébarbatif de cette planche en faisant s'endormir un personnage en plein milieu de la page. L'humour est d'ailleurs très présent dans cet album et les auteurs jouent avec l'uchronie en multipliant les clins d'œil. Ils mettent ainsi en scène de manière anachronique des lieux connus comme Chinatown. Ils multiplient les allusions à des personnages célèbres comme Hitler, fidèle à ses idéaux antisémites. Ils s'amusent à détourner ces personnages que nous connaissons en présentant un Pétain qui lutte contre l'Angleterre, une Mata Hari qui espionne cette fois-ci pour la Chine, ou encore un Gaston Leroux, qui est appelé ici Gustave Leroux, et qui est représenté pendant deux pages sous les traits de son héros, Rouletabille, un journaliste enquêteur, qui a été une source d'inspiration pour le personnage de Tintin d'Hergé. En plus de jouer avec des lieux et des personnages connus, les auteurs s'amusent aussi avec des scènes célèbres. À la fin de l'album, la Première Guerre mondiale, qui oppose cette fois-ci la France et l'Angleterre, éclate bien à cause d'un assassinat, sauf qu'il ne s'agit pas de l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, mais de celui du roi d'Angleterre par Hitler lui-même, un simple fanatique armé par la Chine. Cette première guerre mondiale débutée en 1925 aboutit à ce que la Chine souhaitait, c'est-à-dire l'affaiblissement des deux grandes nations européennes, trop divisées pour lutter contre le péril jaune.